des gens, des personnalités qui viennent d'un peu partout. Super. Fait que là, on est vraiment dans la partie, tu sais, qui est en développement. Puis moi, mon petit chalet, il est ici, là, dans celui-là. On pourrait aller le visiter tout à l'heure. Fait qu'eux autres, quand ils ont acheté le cirque, ils ont acheté toutes les roulottes comme ça, les stars suite. Ah oui. Pour les maquillages, puis les choses comme ça. Quand on a eu des vidéoclips qui ont été tournés, ça fait pas longtemps. Puis ça prenait tout un setup pour se préparer. Fait que moi, souvent, je reçois les gens pour la production dans les chalets ici. Fait qu'on prête les chalets aux gens qui sont en tournage. Et c'est vraiment le fun. Et toi, t'habites ici? Ouais, moi, j'habite dans celui-là. J'ai un pied à terre à Sherbrooke, mais j'ai un pied ici là, pour rencontrer tous les gens parce que tous les jours, j'ai tout le temps des nouvelles personnes à rencontrer. Ben, moi, je suis Denis, mon chum que j'ai rencontré à Cuba avec sa femme. Il ressemble à David Bowie. Ah oui? Un musicien, mais sa femme est chanteuse. Wow. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus parce qu'elle avait préparé un gros spectacle là, okay. À Montréal. Oui. Et puis, ça, je ne peux pas laisser tomber ma femme de même. Okay. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Il avait acheté son billet pour le souper de carottes. Mais là, moi, j'ai dit, c'est ce que je m'en vais voir, là, j'ai dit, peut-être que lui, il y a un band, tu sais. Okay. Il pourrait peut-être venir jouer ici avec sa femme, qui est chanteuse. Ils sont excellents, il paraît. Moi, je ne l'ai jamais entendu, là, mais il va m'envoyer une vidéo là, de qu'est-ce qu'elle a fait en fin de semaine. Ouais, bah, tu sais, comme toi, le chemin n'est pas vraiment. Non, mais ça, il y a eu toute la crue des eaux débiles. Ça, ils vont tout déverser, tout le concassé de la pierre de roche ça, pour égaliser tout ça. Tout ce terrain-là va être égalisé pour faire justement avec des chapiteaux. Ici, on a toutes les structures qui viennent d'arriver là, pour faire la scène intérieure. Mais ici, on veut faire une scène un peu équivalente du Lac des Nations. Elle va être là en permanence, quatre saisons. T'sais. Okay. On a les génératrices déjà pour alimenter l'électricité et tout ça. Fait que, puis tout ce qui est les vieux systèmes et toute la vieille roulotte, tout ça, ça va tout partir de là parce que ça va être tout réaménagé pour le printemps. Fait que, là, il y a plein de choses comme ici, la structure d'acier, ça va aller pour la fameuse cabane à sucre qu'ils veulent bâtir. Fait qu'ils ont tout ce qu'il faut, la tôle, les H-beams, tout est prêt à assembler. Là, ah. Parce qu'il manquait juste les boulons, là. Ouais. Il faut acheter les boulons. Ouais, je ne serais pas venu ici à pied. Là. Non. Le plus proche possible pour pas que vous allez dans la boîte.